Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Kebab Chef pour continuer notre petite aventure de restaurant, sachant qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque, bah, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin et il y a une mise à jour spéciale Saint-Valentin aujourd'hui, donc on va essayer d'en profiter un maximum. D'ailleurs, regardez, on a Jack Ira qui a mis la petite C'est tenue mis dans le spéciale. thème, hein. Ah oui, C'est mis ça, là. bonne Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou pas, on s'en fout, mangez un maximum, c'est le plus important. Profiter de la journée, c'est ça. Exactement. Regardez la vidéo jusqu'au bout. On a des prépas à faire, on a des... Ouais, alors, d'ailleurs, en parlant de prépa, je viens de regarder notre argent en haut à droite. Oui, et d'ailleurs, chef, il y a du monde dehors. Ouais, on a plus que 39. Alors, je vous montre juste vite fait, il y a un onglet spécial. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Il y a un Le onglet spécial Saint-Valentin. spécial qui existe, voilà. Et du coup, on aimerait bien... Alors, je sais pas ce qu'on va mettre, mais en tout cas, on aimerait bien en profiter. D'ailleurs, je sais pas si ça restera. Si on le met dans le resto, est-ce que ça restera après la Saint-Valentin? Ça se trouve, hein, ça peut être un truc un Ah, je sais peu... pas. Bon, après, on le gardera peut-être pas Ah, indéfiniment le non but de plus. cet épisode est plutôt simple. À la fin de la journée, on aimerait amasser assez d'argent pour décorer pour la Saint-Valentin. Le but, c'est d'avoir un maximum de demandes en mariage dans notre restaurant afin qu'on fasse parler de nous et qu'on se fasse plus de bif. Ouais, donc l'épisode, autant dire que ça va être long, parce que regardez combien ça coûte à la fin, et Ça ce va débiter, truc-là, chef, hein. c'est un distributeur, je me dis que ça peut peut-être rapporter aussi de la thune après, donc bon... Enfin bon, et il y a ça, il y a aussi alors des menus spéciaux Saint-Valentin, mais alors pour l'instant, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Par exemple, on a des petits biscuits et tout, mais en fait, on n'a pas débloqué. Donc on va voir si ça, on arrive à débloquer ou pas, mais c'est pas sûr, quoi, comme notre resto n'est pas encore super avancé. D'ailleurs, on a remarqué un truc, c'est que là-bas à gauche, au fond, il y a un resto avec une terrasse qu'on peut acheter pour 50 000. Donc encore une fois, c'est C'est pas pour de l'aubaine. suite, mais voilà. Et ici, alors là, on était en train de faire les prépas. Et en fait, regardez... On a acheté un petit truc pour justement les ranger les broches, que ce soit plus accessible, c'est vachement cool. Et Peut Kilira a faire eu une Europe. idée brillante qui Eh oui, est de pour faire une des fois. qui est de faire des prépas. C'est-à-dire que là, alors ça c'est de la viande hein, pour l'instant. Oui. Et ben est-ce que tu veux faire une prépa d'une brochette pour montrer pour une des recettes que Ah, tu étais en train de magnifique. préparer? Alors. Regardez, je vous explique. Ceci n'est pas un couteau pour vous agresser, mais bien un pic à brochette. Alors, au lieu de s'embêter à chaque fois à cuire les légumes et tout le bazar à l'unité, je vais les planter avec le pic à brochette. Hop, hop. Et voilà. Comme ça, mise en situation, je pose dessus. Tac. Là, je peux cuire directement mes deux ingrédients en one shot. Je récupère mon pic sans que tout brûle. Je le pose ici et je fais ma découpe. Et sachant que en plus, il y a même certains trucs que tu peux découper, puis justement embrocher, Oui, pour exactement. éviter Donc on peut faire des préparations en avance. notamment les tomates, je crois. Oui. Notamment les tomates. Et du coup, ça permet bah, sur le même pic d'avoir les deux aliments qu'il faut. Donc par exemple, la oignon et piment rouge pour l'une des recettes. On sait que ça va pour une recette. Et on sait que pour l'autre recette, c'est par exemple ail et piment vert, c'est ensemble. Et comme elle dit, bah, ça évite de devoir sortir trois trucs enfin deux trucs du grill. On n'en sort qu'un seul d'un coup. Et encore une fois, le fait que les tomates, par exemple, on puisse les pré-couper avant et donc les mettre au grill comme ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les couper après avoir grillé. Ce qui veut dire que bah, surtout, on a des prépas qui sont faites en plus. Donc là, on a essayé de mettre un quatrième menu, histoire de se faire plus d'argent, parce qu'il y aura plus de clients, plus d'argent. Et puis plus de renommée aussi, puisque la renommée en haut augmente en fonction du nombre de plaques qu'on met. D'ailleurs, on a remarqué aussi que là, ça c'est vachement pratique. En fait, on peut servir d'ici sans avoir à faire le tour, comme on faisait à chaque fois. Donc là, j'ai juste remis la petite soupe qui était déjà prête. Je pense que ça devrait suffire pour le service. Et là, justement, je m'apprêtais à faire la nouvelle assiette le temps que Kilira s'occupe du reste des deux autres menus. Et du coup, Eh je me oui. suis dit, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc moi, je suis en totale découverte hein, sur cette recette. Donc il faut que je découpe une entrecôte, mais ça c'est déjà fait, on a déjà des tranches. Ces tranches-là, alors, c'est juste ça direct. Hop, ok. Ok, bon les amis, j'ai fait un petit cut parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. En fait, dans la recette, bah, il faut un couteau spécial et du coup, ça coûtait 200. J'ai dû revendre une table, ça suffisait pas. Très bien. Donc au final, Bonne Saint-Valentin. j'ai revendu l'étagère qu'on avait ici. Et là, c'est bon. Attendez, ce couteau, est-ce que je peux le ranger quand même ici ou pas? Ouais, ça va, ok. On peut le mettre dans le truc à couteau. Donc, c'est reparti. Donc, on disait, ici, j'ai mis la viande. Ok, cuire de chaque côté. Alors, comment? J'ai vu que sur le côté, t'avais un bouton en off. Ouais, Franchement, il faut mais... attendre que ça cuise. Une Ouais, fois que ouais. c'est cuit, tu coupes une lamelle. Ouais, ça ok, mais... Attends, l'assiette, on va déjà la préparer. C'est juste comment je vois pour l'instant...
Comment je vois le où ça en est? Tu vois ce que je veux dire? Ah! On n'a pas le logo comme. Tu sais, comme. Oui, partout. Ah bah là, regarde la couleur, non? C'est bon là, non? Il est foncé. Ouais, peut-être, hein. Moi, c'est pas bon là. Il est plus foncé. Je sais pas. Moi. Après, peut-être que ça s'éteint automatiquement, hein. Qu'il y a une sorte de minuteur et qu'il se coupe. Je suis pas sûr, hein. Après, je peux en tester un, mais bon. Ça a été vachement rapide, je trouve. Mais. Ouais, ça peut-être. Donc, voyons voir. Prendre un couteau, découper. Du coup, est-ce qu'il faut que je le laisse quand même comme ça tourner ou il faut que je l'arrête? Moi, je l'aurais laissé tourner, je pense. Hein. Et ça peut pas cramer? J'ai aucune idée de comment ça marche. Hein. On découvre, on est en pleine découverte. Donc là, genre, je prends ça. Il me dit quoi là-dessus? Est-ce qu'il me dit que c'est. Ah oui, c'est chaud. Hein. Ah oui, non, c'est bien chaud, je pense. Je pense que c'est bien chaud. Ok, et donc ça. Découper. Et il me faut 5 tranches, transférées vers une assiette. Et là, par contre, j'aurais dû. Alors, je vais peut-être en faire 5 autres, c'est pas grave. Griller donc des pommes de terre, tomates et piment vert. Okay, et ensuite, il faut trancher. Il faut trancher les pommes de terre et les tomates. Mais les tomates, tu peux les trancher d'avance. Les pommes de terre, tu peux les trancher d'avance ou pas? Pour les griller? Je sais pas, je vais tester. Faire la tomate à la limite. Elle, on sait qu'on peut normalement, je crois. Quoique, j'ai un doute quand je le vois comme ça. C'est bon, tomate on peut. Ah parfait. Oh là là, c'est magnifique. Et la pomme de terre par terre, chef, elle est en option? De toute façon, tout est optionnel, hein, j'ai envie de te dire. Donc, tout ce que je fais là, c'est optionnel déjà. Et du coup, le piment, je peux pas le mettre dessus par contre là? Je peux le rajouter ou pas? Écoutez, non, parce que vu que ça a été coupé, ça prend toute la place. Regarde la preuve avec la pomme de terre. Un petit piment vert. Là, sur le côté, c'est sur le côté, je l'ai. C'est parti, je l'ai posé. Ok, et du coup. Et du coup, bon là, il m'en faudra 5. Bon, lui, je pense que. Quoique. Est-ce que si je le mets là, il se réchauffe? Oh là là! Ah, les cuistesses du dimanche là! Non, non, mais ça va bien se passer, chef. Hein. Ah, j'en peux pas. On va démarrer le service. Allez, donc moi il m'en faut 5. Allez, j'en ai déjà un. Allez, 2, 3, 4, 5. Par contre, on est d'accord que j'ai rien assaisonné, hein. Il n'y a pas assaisonné ça. Pas marqué, hein. Il n'y a pas marqué. Griller, tranche, ajouter dans l'assiette, servir chaud. Allez, on est bon. Ah, mais là, tu vois, tu perds un peu de temps, du coup, tu dois tout décrocher, un à un. Ah, oui. Donc, les tomates, peut-être, d'où le. Bon, à voir. Allez-y, chef, on envoie. Deux. Bah, aide-moi, derrière. Attends. Non, mais non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai failli envoyer. Non, derrière, prends la viande. Mets la viande. Ah, d'accord. C'est un par un que je dois prendre toute la viande, c'est trop chiant. Attends, je vais envoyer. Il y a tout là? Oh là là. Oui. Et donc, là, voilà, on peut servir d'ici. Le fameux truc. Bon, ça va, on était quand même pas mal, mais attends, ingrédient manquant. Ah, bah, la pomme de terre qui est tombée et la tranche de tomate. Ok, c'est une mauvaise. Non, ça marche pas. Il manquait une pomme de terre et une tomate, donc il faut vraiment pas les mettre sur la broche comme ça en fait. Du coup, on les précoupe pas, on les met tel quel. On les met sur la broche, mais pas précoupé alors. Très ouais. Bien. Ouais. Ok, bon, bah là, on peut ouvrir et puis on est bon, donc ça. Bon, je pense que je peux. Pour ton prochain round. Je pense que je peux laisser tourner, ça, je pourrais refaire, ok. Donc moi je peux refaire la soupe et l'assiette sans aucun problème. Oh, tu m'as fait peur quand elle est... J'étais en mode en fait, en gros derrière j'avais coupé de la viande, il fallait tu sais la mettre une par une. J'étais en mode aide-moi pour la viande genre derrière, je te vois partir en mode c'est bon j'en vais chef. Non. Non, on va pas. Allez c'est parti chef. Bonjour. Attends. Et bonne Saint-Valentin à tout le monde. Au fait on n'avait pas un employé avant? Tu sais qu'on paye? Bah elle est partie se fumer une clope, la feignasse, je crois. Elle est partie la fumer loin, la clope, hein. Bah, elle a intérêt à revenir parce que ça va m'agacer. Elle est en face, je la vois. Nathalie, c'est pas la Saint-Valentin pour tout le monde ici, hein. Attends, c'est pas... Non, c'est pas elle du tout. Elle ah est bon où? C'est elle, tu penses? Elle est là-bas, chef. En face, je la vois. Ah oui, là, je la vois, oui. Oui, c'est elle à gauche, ok. Ok, c'est parti, je suis satisfait. Bonjour, monsieur, récupère le fric. Allez, hop. Récupère le fric. Ah, mais lui, t'es juste récupère content. Récupère le pognon. Lui, il est juste content. Toi, c'est ok les prépas, au fait, pour refaire les deux autres trucs, j'ai pas vérifié. C'est parfait de mon côté, chef. Je gère d'une main de maître. C'est trop forte. Je suis à la plonge. Très bien. Je suis à la plonge. Par contre, l'autre qui nous plonge dès le début, là, c'était quoi ça? Je mets le couteau juste à côté ouais, c'est pas bête. L'appareil à kebab. Bah d'ailleurs... Oui, par contre, j'avoue, on s'est planté dès le départ, je comprends pas. Ok, bon. Du coup, on va aller voir les gens ici. On va ramener ça. Il va falloir bientôt peut-être préparer une brochette de poulet. Il en reste qu'une, en tout cas, surveille.
La personne prend une brochette de poulet, non? Ah non, ton assiette simple, ça y est, elle part. Ok, encore une assiette simple qui part. Très bien. Je vais peut-être faire une broche de... Ah, tu l'as déjà fait, incroyable. En plus, elle a même mis le piment du coup avec. Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, en vrai. Au moins, on a tout qui va avec, ouais. On a tout ce qui va avec, et même, je pense qu'on organisera plus tard un peu plus proprement pour que ce soit vraiment à côté de... C'est tous les ingrédients nécessaires, quoi. Genre la viande à côté et tout, tu sais. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, là, pour moi, pour les recettes de brochettes. Alors, du coup... Bah, moi, j'ai mon assiette qui va peut-être bientôt partir, mais bon, je la referai sur le moment. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient la prendre maintenant, donc... Ton assiette de donneur, la personne prend la dernière. Ok, je relance. Du coup, on met ça au grill. Regardez, ça, c'est... Ok, la mienne, elle part. Donc, ça y est. Incroyable. Ici, il me faut une assiette... Bon, moi, je mets les mêmes qu'il y a là. On va mettre ça ici, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'aurais pas pu mettre mon assiette en dessous directement, je me dis. C'est possible, le feu vient s'éteindre, je m'en occupe, chef. Ah oui, chiant. Je me dis, j'aurais peut-être pu... Attendez, est-ce que j'aurais pu la caler genre là, l'assiette? Ah, ça se trouve, la prochaine fois, je pense que je fais ça. Par contre, ouais, du coup, ça va être froid. Bon, en fait, pourquoi ça démarre pas? Ah, c'est bon. Si, ça met juste un peu de temps, c'est le temps que ça prenne, c'est le feu. Ok. Ok. C'est cuit pour toi. Ok, on est bon pour tout. Le seul truc, c'est qu'il faut que je tranche plusieurs choses. Hop. Oh là là. Tu peux me rapprocher mon assiette, s'il te plaît, là. Très bien. Hop, c'est fait. Merci. Ok. Il manque le piment. Ça sera pas tout à fait chaud, là, mais bon. Tac. Ah, la chaleur, bah en même temps c'est normal, ça s'est arrêté en cours donc c'est logique. Toi ton assiette? Ah oui, il y a quelqu'un qui va partir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as pas besoin de faire le tour? Ouais, c'est vrai. Ok, c'était limite. Hein. Bien joué. Les broches, on va les remettre au fur et à mesure du service comme ça on n'est pas perdu. Effectivement. Ça c'est bon. Ok. Après là les on est sont pas mal. Satisfaits, hein. Pour le moment ça part, ça part, ça part. La kebab simple, dès qu'il y en a une qui part, je relance. Oui, toi, c'est c'est full prêt déjà le kebab. C'est pour ça aussi qu'on a mis 4 trucs, c'est que ce soit la soupe ou le kebab simple, c'est des prépas qui sont toutes prêtes, il n'y a pas grand chose à refaire non plus. Hein. Ouais, ça c'est après, trop bien. Après, même moi maintenant, donc... Bah allez, vous battez pas les deux pour la brochette de poulet, hein. Eh oh. Hop, on fait un petit peu de ménage que les gens... Chef, je crois qu'on a un premier date. Quoi? Chef, la Saint-Valentin, ça opère. De quoi tu parles? Tu vois pas ces deux individus l'un contre l'autre? En face to face? Non, y'a qu'une seule personne. Ah moi c'est... Ils sont deux. Mais je crois qu'ils sont deux l'un dans l'autre en fait moi mais... Mais du coup ils vont nous faire perdre mes bouffées là. Allez, on perd pas de temps ici. Y'a plus de soupe à la tomate chef et quelqu'un d'autre en veut. Ok ok, il me faut juste un bol... C'est juste que la plonge on a plus d'assiette hein. Je m'en occupe. Je vais la faire la soupe, y'a pas de problème. Parce que là, quelqu'un la réclame, la soupe. Votre bonne soupe, chef. Spécial Saint-Valentin. Ah, il va l'avoir, il va l'avoir. Juste un... Ah mince. Okay, je pense qu'on est bon. Oh, nickel, ça. Bien joué. Hop là, ça c'est fait. Avec le petit persil. Quelqu'un veut une assiette de kebab, sauf qu'il n'y en a plus. Allez, c'est parti. J'envoie. Ok, moi c'est bon, c'est envoyé. Là c'est bon, les brochettes de poulet, ça je les gérer, je vais retourner à la plonge un peu. Très bien. Ouais c'est bien que la plonge elle soit là, au moins on se marche pas dessus je trouve. Je trouve qu'on a de l'espace dans notre cuisine, c'est bien. Ok elle les ramène, je vais aller voir les gens. Est-ce que ça a été... C'était bon... On va pas perdre de temps, pensez-vous qu'il est possible de pré-cuire la viande? On la cuit à, tu vois, comme les frites, donc on peut blanchir. Dans la vraie vie. Bah essaye hein. En vrai fais le test hein. Ouais. Pas bête. Quand t'as une idée tu fais le test et tu verras bien. Attends c'est moi ça? Mince. Ah non c'est toi. Ah oui non c'est le kebab qu'ils veulent. C'est bon. Ok c'est bien joué. Bon appétit tout le monde et bonne Saint-Valentin. Bien joué. Je pense que on va être bon. Surtout que j'ai plus de kebab là. Ah mais je pense qu'on va être bon. Et en vrai, ça va. On s'est fait un peu d'argent quand même. On s'est fait un peu de tunas et ça. C'est un beau petit service en vrai.
Un beau service, bien joué. Bien joué, chef. Hein. C'était un beau service. De toute façon, on va enchaîner, je pense, assez vite. On va pas perdre trop de temps, là. Ok, je vous reprépare, chef, la même que tout à l'heure, là. Tomates, piment vert, pommes de terre, en brochette. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, là, je vais retirer toutes ces assiettes, je vais aller les nettoyer déjà, je vais faire la plonge. Ou alors, non, je vais lui donner pour qu'elle fasse la plonge plutôt. Oui, elle va travailler un petit peu, hein, parce que Nathalie, elle est payée même pour la Saint-Valentin en extra, donc, hein. Non, mais surtout que le pire, c'est qu'elle est là pendant nos prépas, et par contre, elle se barre quand le service commence, tu sais. Ouais, non, mais insupportable. Hein. Elle est là, elle va s'en occuper, logiquement. Je sais pas ce que je fais. Quoi ? Bah, il a voulu rentrer, puis la porte, puis c'était fermé. Ouais, mais parce que c'est la fin de la journée, là. Bah non mais c'est la fin de la journée vraiment là. Oui, non, mais bien sûr. Je pense pas qu'il voulait rentrer en vrai. Enfin je sais pas. Tu crois ? Je sais pas. La marmite il reste que pour une portion, est-ce que je la dégage ? C'est dommage quand même. Ou est-ce que je tente de mettre dans le bol et de mettre au frais ? Ouais, moi c'est ce que je dis, peut-être faire un bol et le mettre au frais. Bah ouais. Après le problème c'est qu'il faut faire chauffer le bol. Bah ouais, je pourrais pas le réchauffer je pense. Effectivement. Je le tente hein, je tenterai un move et on verra bien au pire. Voilà, on met tout là-dedans. Tac. Donc ouais j'avoue, de toute façon la marmite en soi je peux même la préparer pour demain si je veux mais au pire on fait les prépas demain, ça c'est pas gênant. Enfin, on peut le faire le matin en vrai, en prépa c'est pas trop problématique. Bon il manquera quand même le persil mais je le mets pas tant qu'on est pas sûr. À la limite on peut refaire les petits achats pour tout ce qu'il faut pour demain. Effectivement je vais faire mes achats du coup, on refait les mêmes plats. Là qu'elle est là. Ouais on refait la même chose je pense, comme ça on est okay, chaud, bah, on peut aller vite. Donc moi, hop, en termes de menu, j'avais l'assiette ici, hop. Donc là, j'avais besoin de entrecôte, pommes de terre, tomates, piment vert. Mais... Oh, il va falloir racheter d'ailleurs du... Tomates, on a ce qu'il faut, entrecôte, en vrai... t'en as besoin, toi, de l'entrecôte ? Ah si, toi, t'en as besoin. Oui, j'en ai besoin, moi. Mais pas pour le service de demain, chef. Ah, bah ça me suffira largement parce que alors j'ai déjà deux brochettes de kebab, je pense que hein, ça va suffire. Ok, bah ça me suffira alors largement. Donc je vais juste aller chercher les pommes de terre, piment vert à la limite. Pommes de terre, piment vert. Et pour l'autre menu, pour la soupe. C'est lait et beurre, hein, savoir et si on a encore. Est-ce qu'on peut racheter des pics ou pas, s'il vous plaît, chef? Ouais, on peut si tu veux, vas-y. Merci. En vrai, pour le service de demain, ça ira ce qu'il nous reste. Mais je vais voir. Ok, donc. Je vais en prendre un peu parce que je suis à côté, mais ça coûte pas trop cher de toute façon. Tac. Ça y est, il en faut pour plusieurs recettes, donc j'en prends un peu plus volontairement. Ok. Et puis. Allez, je vais quand même aller voir pour prendre. Allez, deux de lait, deux de beurre au cas où. À la limite. À la limite, on se fait ça. Et j'avoue que toi, si t'as les broches, bah comme ça, on se prépare de certaines broches d'avance, c'est pas bête. J'en prends 7. Ouais. J'en prends 7. Non, bah c'est-à-dire que... Ok. Ouais. Non, non, mais c'est bien fait. C'est juste pour le rangement, est-ce qu'on achète un deuxième truc quand même? Bah j'y ai pensé justement, hein. Autant que ce après, soit si tu veux. Si après, on le... peut toujours mettre dans le tiroir coulissant. Hein. Si on est un peu rapide et tout, en vrai, on peut rentabiliser l'argent assez vite, donc... Je fou. Autant acheter un deuxième si tu veux direct, hein. Je te laisse le gérer ça. Très bien. Je vais gérer ça, donc ça c'est bon, on a dit, je vais aller chercher, allez. Bon, pas énormément non plus, mais un petit peu de beurre et de lait, parce que de toute façon il n'y a que pour la soupe que j'en ai besoin. Ça coûte quand même un peu cher, je comprends. Chacun commence à avoir ses spécialités, tu sais. Ouais, bah ouais, autant... Bah autant faire ça pour essayer d'optimiser un peu le temps. Ah, il faut de la graisse de queue, de la poitrine de poulet, flûte. Bah reprends à la limite une entrecôte en même temps, juste une. Ok. Histoire que ce soit fait. Hop. Et hop. Et moi je suis bon après. C'est quoi? Là les brochettes. Tac. L'entrecôte, je vous la précoupe, chef? Remarque les brochettes, là ça passe vu qu'il y en a toujours plein d'avance. Ouais, tu peux, pardon. Le temps que je capte ce que tu me dis. T'inquiète. Donc là, je vais juste me refaire une petite. Petite comme ça, et mon verre. Ah c'est bien fait, hein. Si t'es pas sur la planche à découper, ça dégage. Allez, hop. Et voilà, donc comme ça, ça c'est prêt pour moi. Ça c'est ces petites prépas là, regardez, c'est tout mignon.
Oui, j'essaye de. C'est nickel, hein, ce café. De bien orga. Bah voilà, hein, après on reprépare de toute façon demain, je pense. Ouais. À moins que t'as fait pré-cuire toi déjà ce soir pour tester ou pas. Alors, j'aimerais bien faire un test, justement, et je voulais te demander si j'avais le droit ou pas. Ah oui, t'as toujours le droit. Parce que je me dis, si on fout en l'air la viande, super. Non, mais je pense voilà. Pas. Mais sinon, tu pré-cuis déjà demain, mais avant le service. Allez, on peut faire ça. Pire, comme ça, c'est demain matin pour être sûr au cas où juste, mais normalement, ça devrait être bon. Chef, il y a un petit morceau de... Je laisse... Personne ne verra rien. Allez, hop. De quoi? Mais c'est trop propre là les trucs. Je te laisse juste ouais, ranger comme tu veux pour pas que. Attends, mais tu veux que je le remette. Tu veux pas te le remettre ça? Je sais pas, essaye de le mettre. C'est sur lequel? Bah celui sur lequel ça passera. Hein. Bah celui-là, celui de droite, parce que tu vois qu'il en manque un. Ah ouais, droite. Mais... Côté bas. Oh, t'as réussi? Ouais. Okay. Ouais. Nickel, bon. Ouais. Impeccable. Il manquera un ingrédient, c'est pas grave, c'est optionnel. Pas du tout. C'est optionnel. Pas du tout là-dessus. Okay. Tomates, fumées en verre. Pommes de terre, donc moi c'était bon, allez. Pas de problème. Ok, bah c'est bon, chef, on peut aller. On est dormir. Ok. On peut aller dormir, effectivement. Est-ce qu'on commence à décorer un petit peu pour la Saint-Valentin ou est-ce que. Ah, il y a les dettes là, mais vas-y. Combien c'est? 250, ça va. Comme tu veux, est-ce qu'on aura assez pour décorer déjà? On fait demain soir au pire quand on a un mastu. Allez. Comme ça, on allez, fait allez. Pas mal c'est d'un parti. Coup. Allez, vas-y. Vas-y, nouveau jour. En plus, il nous manque, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier. Recette débloquée, ok. Au niveau des recettes. Tac, tac, tac. Menu. Au niveau des recettes, pour le gourmet, il fallait. Bon, déjà, ça, on pourrait peut-être le débloquer. Histoire que ça soit fait. Il nous manque la soupe au poulet. Je comprends pas comment on la débloque, cette soupe au poulet, là. Parce que niveau 18, on l'a, niveau 18 de resto. Et par contre, c'est 5 étoiles. Est-ce que c'est ça? Mais les 5 étoiles. Non, c'est le plat, ça, normalement. C'est, ou c'est les conditions pour débloquer. Ça, je sais pas. Je comprends pas comment on la débloque. Mais au pire, on va continuer, on verra bien. Parce que le problème, c'est que si on veut faire les gâteaux Saint-Valentin, eh ben, il faut qu'on la débloque pour pouvoir en revendre assez pour, bah, pour que lui, lui vienne, en fait. Il nous faut le mélangeur, là. D'accord. Bon, dans tous les cas, il nous faut revendre encore 10 assiettes de ma prépa. Donc, allons-y. Je vais faire la soupe en premier, peut-être. Très bien. Faire la petite soupe en prio. Donc, est-ce que je m'en souviendrai de tête? Enfin, je vais faire une boulette à vouloir le faire de tête. Telle est la question. Donc déjà, là, c'est 1,2, je crois. J'en mets autant que je veux, non? Si j'en veux plus. C'est le mec. Autant que je veux. Ah, mais attends, mais je suis à 1,17 à droite. Ça allait s'éteindre. Ok. 19. Ok, on est à 1,20. 1,20. Je vais quand même vérifier la recette. Je vais quand même pas faire le fou. Donc moi j'ai ça en recette. Moi j'ai ça. Toi c'était quoi? Tu me rappelles kebab simple, je crois. Brochette de poulet, c'est ça? Exactement. Et je te remets ça. La petite soupe. La petite soupe, donc. Ouais, j'allais peut-être oublier qu'il y avait deux fois les tranches de tomates. Je fais bien quand même de lire parce que. Donc, effectivement, on a. Hop, deux tranches de tomates à rajouter dedans. Tu me diras, ça fonctionne du coup ta strat? Ouais. Donc, hop, tomates. Là, je me suis arrêté et ça a stoppé la cuisson. Hein. Ouais, donc, si tu reprends après, ça reprend là où t'en étais. Bah, ouais. Effectivement. Donc, il y a peut-être moyen ouais, de. Ah oui, ça a repris où on en était. Oh, il y a peut-être moyen de gagner un peu de temps. Donc là, on est bon. On fait bouillir. Et ça, pour moi, c'est bon. Il y aura juste le persil à la fin à rajouter. Par contre, moi, il fallait que je vois si je pouvais essayer de gruger avec cette assiette aussi. En vrai, lui, il est prêt. On va juste faire la petite tentative. Non, mais ça marchera jamais comme ça. Je la mets sur le grill, hein, moi je m'en fous. Je suis un fou, moi. Moi je suis un fou, hein. Tant que ça réchauffe, je le mets dessus. Hein. Ah ouais, ça marche, hein. Okay, ça l'a réchauffé là. Hein. Mais ça marche. Oh, c'en est bon, hein. Chef, la pince à découper, si je puis me permettre, est-il possible de la mettre plutôt côté gauche ou d'en acheter une seconde? Parce que c'est vrai que pour les. T'as raison, ce sera mieux, ouais, je pense. Je me suis fait la remarque en plus tout à l'heure. Je trouve que ça fait un peu loin. On va voir ce que ça donne.
Dis-moi qu'elle est bonne. Et oh, 100%. C'est avec pas vrai. Le petit bol d'hier là. Oh. Let's go, au moins il n'y a pas de perte. Donc ça c'est cool. Ensuite, du coup moi je repars sur ma petite prépa. Hop. On se remet en épinglé au cas où. Mais normalement c'est ok, hein. C'est juste de toute manière la petite entrecôte qui était prédécoupée. On se la met là. On allume. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Quand on veut le mettre, après, ce sera dans une assiette comme celle-ci. Voilà. Et d'ailleurs, on va tenter le petit move, n'est-ce pas? Et puis... Alors, effectivement, on a le petit truc ici. Hein, donc on voit qu'on sera cuit, je pense. Il y a déjà des gens hein, qui attendent encore, c'est cool. Effectivement, il y a de la demande, il y a de la demande. Donc là, si on peut remonter, ouais... On peut monter à genre 8000 ce soir, ce serait ouf. J'en est-ce que je rajoute une autre planche à découper ou est-ce que je la non, mets sur le bah, déplace celle-là, je pense que t'as raison, elle sera peut-être plus opti de l'autre côté. Ok. Surtout que t'assaisonnes déjà tout en avance, donc ouais. Ouais, je te laisse la mettre là-bas comme tu voulais. Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas bête, ouais. Pour ouais, gagner un petit peu de temps. Non, non, t'as raison. Par contre, je me tâte à précuire les viandes, chef. Hein. Je vais les précuire. Ouais, vas-y. Je tente le riz, je prends un risque. En vrai, ce sera bien mieux, hein, le truc à découper là. Juste que pour aller vite sur les cuissons, est-ce que, bah attends, si je le découpe ici, de toute façon, ça reste chaud, non? Ah non, peut-être pas. On va le faire quand même maintenant. 1, 2, non, ça passe en dessous. 3, 4. 5, ça fonctionne pas, on peut pas le mettre en direct, c'est chiant. Tu vois les cuissons ou pas? La mienne elle est bientôt ouais, prête. C'était en train de finir, c'était fini. Ok. Juste que je m'occupe de la découpe, chef. Tu le découpes dessus ou ça se passe comment là? Oui, oui. Hop là. Ok, c'est bon, GG. C'est bon. Allez-y. Merci, parfait. Donc ça c'est bon. Ok, donc moi dans tous les cas je pourrais relancer une assiette facilement, ils vont pas m'en demander deux je pense. Au pire je fais une petite broche encore. Hein. Vas-y j'en fais une dernière pour être sûr. Vas-y hein. Hop. Bah après moi, ça j'ai je... plus d'ingrédients, j'ai plus d'ail et de piment. Tu peux aller en racheter vite fait chercher... Tu veux que j'y aille t'en chercher si t'as des prépas à faire encore? Non, c'est bon, j'ai plus de prépas à faire, on va pouvoir ouvrir mais c'est genre... Bah j'ouvre et va aller chercher pendant ce temps là, au pire. Ouais, vas-y. On a bien tout hein, qui est mis en menu, ouais c'est bon. On a tout. Ah j'avoue que celle-là, la 6 étoiles là-dessus, c'est propre. Ok, ok. C'est beau, hein. Elle a pas déserté en plus, donc ça c'est cool. Ça, ça se remet là. Bonjour ça... à tous et bienvenue dans le restaurant de la Saint-Valentin, qui n'est pas encore décoré pour la Saint-Valentin. Effectivement. Mais repassez demain. Ça serait tardé. Repassez demain, ça le sera. J'espère vraiment qu'on va réussir à faire des recettes spéciales, mais ça j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Après déjà la déco, ce sera cool. Oh regarde, ça fume dans le frigo par rapport à ce que j'avais cuit. Ah oui. Ah c'est pas oui, mal. MDR. Parce que vraiment au niveau de... Ouais des menus, je vous dis c'est... Je remontre mais c'est mignonné les petits cœurs comme ça à servir. Mais y a pas que ça en plus parce que là je montre ça mais je sais pas ce qu'il y avait d'autre mais y a d'autres recettes je crois aussi. Hein. Ouais. D'autres recettes hein. Ok, monsieur a fini déjà. On va récupérer de suite. Petite planche d'entrée. Comme ça, ça s'est fait. Ça pareil, faudra qu'on voit, mais on pouvait, je crois qu'il y avait le skill qui permettait d'augmenter le nombre d'assiettes qu'on pouvait avoir, mais sinon on peut acheter tout simplement un deuxième meuble à assiettes si on en veut un peu plus. Ouais mais sinon on claque un skill, hein, comme ça nous coûte moins cher. Bah ça coûte de l'argent quand même, hein, donc enfin je crois qu'il y avait un skill, hein, il faut que je vérifie que je dise pas de bêtises. Je fais la plonge. Bah moi je prépare des assiettes à côté des trucs à redonner, comme ça les assiettes sont déjà sorties. Ok. Je me dis que ça peut être bien. Pour l'instant on est bien partout. Ouais tout va bien là. On est très bien sur la plonge, y a rien encore. Il si. Y a des trucs qui reviennent, mais après on s'en sort, mais bon. Ok, pour le moment tout part uniformément, hein, c'est ouais, à peu c'est près. Bien, là. Ok, elle a fait la plonge directe, trop bien, bien joué ça. J'ai ah, le temps de regarder le que skill. Ça a dit, pour la décoration. Ah, c'est quoi ça? Bon ça. Qui l'a emporté sur les murs en bois et les murs briques? Les gens aimaient bien ton idée. Ah? Ouais, les gens aimaient bien ton idée.
Ah, après, parce que j'avais vu le début des commentaires, après j'ai pas été revoir. Ceci dit, à la fin, on était resté sur le truc qu'on avait changé le sol et que du coup, on voulait quand même changer les murs. Mais, oui, mais sinon, dans l'idée, oui, ils aimaient beaucoup. Ok. Tac, tac. Ok, okay, ouais, c'est ça que je voulais voir. De poulet, ça approche... Oh, ça part la brochette de poulet. Ah, c'est ça, service maximum. Augmente progressivement la limite de vos assiettes dans l'armoire. Ça coûte 100, juste le premier truc. Je vais acheter juste celui à 100, et comme ça on peut avoir 12, et il faudrait que j'aille acheter deux assiettes. Mais je vais pas y aller en plein service peut-être. Ta brochette de poulet, du coup, t'as relancé, hein, tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est relancé. Est-ce que tu as besoin d'aide pour ça? Il faut que je te découpe bon, un truc. Ça a été pré-cuit. Ah oui, la découpe de l'oignon, à la limite. Ok. Je te découpe l'oignon alors. Ça marche. Il est sorti. Et qu'il est chaud. Ah, tu peux regarder, ça marche trop bien. Après, il y aura peut-être brochette le kebab poulet, à faire. Ah oui, tu l'as cuit direct. Par contre, du coup, l'oignon, lui, il est un peu en retard, quoi. Bon, bah faudra il vaut cuisson. Enfin, non mais en vrai là ça va, mais dans l'idée il sera peut-être un peu en retard si les autres trucs sont pré-cuits. Attends, il y a un petit bout de viande. C'est bon, voilà. C'est bon. Il y a piment rouge du coup dessus et j'envoie. Voilà, et envoie, c'est bon. Ok, j'envoie. C'est parfait. Le petit bout, t'as rajouté ingrédient manquant par contre. Ah mais non, mais ça c'est le bug, non? Il manquait du sel, du poivre et du persil. Chef, j'ai peut-être oublié d'assaisonner. Ah c'est vraiment toi qui l'as oublié du coup, c'est pas un bug. Putain merde, chef. Oui, dis-moi, j'ai oublié d'assaisonner. Ok, attends, la soupe qui est partie, je m'en occupe. Mince! Les gens sont contents quand même. Oui, j'ai envie de vous dire, bon. Le sel, si, alors, selon une étude, ce n'est pas bon pour la santé, hein, donc voilà. Ah, il n'en faut pas trop en théorie, mais... Voilà, comme le poivre et comme le persil. Et comme tous les ingrédients que j'ai oubliés. Il n'en faut pas trop. Pas trop, pas trop. Je fais la plonge pendant ce temps-là, chef. Ok, on est pas trop mal. Le persil d'ailleurs, on va éviter très, de l'oublier très nous. Bien. Je vais éviter de faire l'erreur. Et on sert ce monsieur. Tenez. J'aimerais rester de ce côté du coup du comptoir là. L'assiette de brochette de poulet, écoutez, va falloir manger autre chose les gars. Il n'a pas d'autre il aime beaucoup. Après, hein. J'aimerais bien qu'il me prenne mes assiettes pour qu'on ait le. Bah le. Les récompenses quoi. Hein. Bien sûr. Si on a un peu de calme, j'ai envie d'aussi d'aller acheter deux assiettes de plus quand même. Est-ce que moi on aura besoin de moi là de suite? La mienne elle est pas prête de partir, elle a soupe non plus. Simple, vas-y j'y vais moi. Moi quand ça va être prêt. Elle peut gérer le resto toute seule. Oui oui. Du coup deux assiettes, je prends celle que je veux, on est d'accord, ça change rien en vrai. Je pense que ça change rien. Hein. Bah oui, non mais ça change que dalle. Hein. Allez. Parce qu'après on sort les assiettes qu'on veut en réalité, donc je pense que ça change rien. Ah, il y a votre assiette qui part. L'assiette simple. Ok, parfait. Brochette de poulet, ça a vraiment du succès. Kebab aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Bah, ils ont raison, hein. C'est les meilleurs de la région aussi. Hein, la brochette, effectivement, la brochette de poulet, la dernière qui part. Et malheureusement, ça sera la dernière pour ce soir, puisque je n'en ai pas préparé d'autres. Il va falloir se... jeter sur d'autres plats, telle la soupe à la tomate, le kebab simple ou encore l'assiette simple. Est-ce que, voilà, c'est ce que monsieur va faire et il a compris. Moi, il faut monsieur que je refasse ou pas? Il ne reste que. Ah, ça, il y a une assiette de poulet. Tant pis, monsieur, il reste que de la soupe à la tomate. Attends, mais j'en refaire ou pas, moi, par contre, parce que en vrai, c'est tendu, non? Là, niveau temps, si j'en refais, ça va être du gâchis. Bah, non, c'est tendu, non, ils vont aller se faire foutre. Mais ils en reveulent, hein. Attends, lui là-bas, il en veut, hein. Bah, ouais, mais si t'es tendu sur le temps, laisse tomber, hein. Mais je peux le faire, mais. Ah non, mais il y a même plus de feu et tout, oh là là. En vrai, c'est... Non mais c'est juste que par rapport à l'heure, je me dis là je vais sortir une assiette et après on va faire pour les autres. Pour quoi. Rien. Non non mais il y a deux clients qui vont être mécontents. Regarde, il y a quelqu'un qui va prendre une assiette de kebab. C'est chiant ça par contre. Messieurs mesdames, il y a plus ça au menu. Vous partez sur une soupe stock à la tomate et ça vous fera du bien au niveau du. Va acheter au pire ce qui te manque toi pour demain directement. Allez. Je gère les clients mécontents. La porte c'est par là-bas. Ils vont jeter les déchets. Nathalie, tu fais quoi? Sans Attends, déconner. Ouais, non mais. Ta loche là. Y a plus rien, y a plus rien là. Je vais mettre fermé, de toute façon, je pense. Oui, oui. Les gens mécontents, un grand pied dans le derrière, et puis c'est fait, hein, chef, hein, si je puis me permettre. Vous êtes content, vous avez bien mangé? C'est Saint-Valentin. À la différence. Cupidon peut tirer à l'arc. Et par contre, au niveau thune, j'avoue, hein, j'ai dit, je voulais qu'on ait au moins 8000. Et malgré deux clients non servis, on est à 9003. Et malgré que, en plus, on rappelle, on a acheté pas mal de trucs. Donc on s'en sort bien là. Mais en même temps, 4 menus, mine de rien, ça fait de l'argent. Mine de rien, ça fait de l'argent, ouais. Qu'est-ce que je... Oh, on l'a fait en même temps, l'assiette. On l'a fait en même temps. Les viandes, c'est ce qui coûte le plus cher.
Qu'est-ce que mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils font là, eux encore là? Mais parce que c'est... Tiens, c'est voilà, pas les mêmes. Sortez. T'as mis open, là. Bah, parce qu'en fait, j'ai cru que c'est ça qui les bloquait. Ah, ok, non, j'ai cru que tu voulais fermer, c'est pour ça. Non, non, mais du coup, laisse open. Attends, mais on a un bol de plus, mais quoi? J'en ai acheté deux, on était à 10 sur... Tant mieux, hein. Il faut que j'épingle l'assiette de brochette de poulet, parce qu'apparemment, j'aurais fait une erreur tout à l'heure, chef. Donc, je répare mon erreur. En même temps, tu fais toute tête, je suis sûr depuis tout à l'heure, là, ça y est, tu te sens trop... Effectivement. Trop confiante, là. Effectivement. En même temps, t'as raison de l'être, hein, mais... Quoique, je attends... Je maintiens le fait que j'aimerais créer un livre... Est-ce qu'il faut tout couper, de toute façon? Oui, mais avant de pré-couper, justement, il y a quelque chose qu'il faut que j'assaisonne avant de le cut. Et ce qu'il faut que j'assaisonne, c'est... Ah bah alors, fallait le faire là-bas. La poitrine de poulet. Ah bah, poitrine de poulet. Ok, dis-moi. 3 sel, 3 poivres. Vas-y, donne-moi l'autre, je m'en occupe. Allez, c'est parti. Hop, les graisses de queue, je peux les pré-couper. Ok. Après, c'est bien de faire plusieurs jours d'affilée avec les mêmes recettes, comme ça on enchaîne assez vite. C'est toujours les nouvelles recettes qui nous... C'est toujours les nouvelles recettes qui nous prennent plus de temps, forcément, à la compréhension au début. Mais là, ça permet de se faire de la thune rapidement, en fait, d'enchaîner. Juste, attends, ah, c'est graisse de queue, ok. Ouais. Bah, du coup, tes poitrines de poulet, c'est ok, faut les couper aussi. Oui. Je les mets là, déjà. Non mais par contre, eux ils sont vraiment... Bon, c'est pas grave, ouais, ils vont écoutez, partir dans la nuit. Hein. Au bout d'un moment c'est fermé, je peux... Nathalie, tu fais quelque chose, je sais pas. D'un moment. On a des charges à payer en plus, il y a l'électricité à payer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, je pense que maintenant qu'on a une machine qui pompe de l'électricité... C'est fort probable. Hein. Tu vois ce que je veux dire quoi. Je pense qu'en vrai c'est ça. Vas-y, je vais payer. Ça c'est fait, on est sûr de savoir où on en est. Crédit... Hein. Ah. Mais il y a à chaque fois un morceau de viande qui ne se plante pas, je ne sais pas pourquoi. Ben après, tant que les gens sont contents... Qu'est-ce que j'ai foutu, ratio Je sais pas, je vais racheter du charbon, du bois, tout ça, tout ça. C'est où, c'est là. Brochette de poulet, graisse de queue, hop là. Je ramène ça, allez. Ok, on refait les prépas. Non, ça va plus vite que d'habitude, c'est ça qui est top. Du coup, les gens nous regardent vraiment préparer. C'est vraiment... Oui, c'est ça. En fait, ils attendent même le repas de demain. Hein. Ouais, j'ai fait un sacré plein, je crois. Je m'en rendais pas compte. Purée. Bon, bah ouin, ça c'est fait. Bon, du coup, nouvelle journée. On a débloqué, enfin, la recette qu'on avait besoin. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vais dans les magasins... de construction. Donc on a débloqué la soupe, elle est où? Elle est là. Soupe au poulet. En vrai c'est bien, c'est encore une soupe, c'est potentiellement un truc assez simple. Presque, on pourrait même se permettre un cinquième menu hein, si c'est simple à faire. Ça nous ferait plus de clients. Ouais. Et on peut faire encore une grosse journée. Donc faudrait juste que je regarde ce qu'il faut et tout, mais c'est ok. Donc, on va la mettre. Alors ça... On n'a pas fait le kebab aux tomates d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Continue, je pense, le simple pour l'instant. Donc c'est un truc qui marche. Je sais plus, il y avait la soupe. Et moi... Alors ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est quoi le deuxième truc? Quoi, tu fais poitrine de poulet? Ou cuisse de poulet? Non, cuisse. Non, je sais plus. Non, moi, c'est les brochettes. Brochettes, oui, rien à voir, du coup. Aucun des deux. Oui. Ok, donc on refait notre petite prépa, ça va aller très vite. Ça va aller vite ici. Ça va aller très très vite. Ici, on refait ça tranquillement. Bah, j'avais l'assiette de sortie, mais attends, mais on a vraiment plus d'assiettes que nécessaire alors parce qu'il y avait le bol de sortie aussi. Regarde, on va mettre ça là à côté. La viande. On est déjà ok? Ah ouais, ok. Bien. Je pense que je vais me faire. Alors, hop. Notre petite broche. La petite brochette de. Ça. Et ça. D'ailleurs. Hop. Et voilà. Donc là, je suis pas trop mal. J'aurai mes deux recettes. Et je vais donc tester la dernière. Alors, jusque 1, 2, 3, 4, il faut que je rajoute. Hop. Il faut que je rajoute station. Ceci.
j'arrive pas à retourner, voilà. Alors automatiquement, je sais pas pourquoi il se remet dans ce sens-là. Ah voilà. Hop, petite brochette là. Est-ce que tu peux découper d'ailleurs là ce que je veux? Mince, ouais, j'ai un peu. Sinon, je le fais. Voilà. Dites-moi, dites-moi. Là, la brochette à côté de moi. Ok, je m'en occupe tout de suite. Je veux bien que tu découpes les tomates et pommes de terre. C'est parti. Je suis un peu loupé sur le timing du coup, j'ai paniqué. Pas de soucis. Merci beaucoup. Hop. T'inquiète, qu'elle découpe juste, je le remets. Bon, c'est fait. Y'a du persil ici, c'est normal, chef? Ouais, ouais, c'est pour la. J'ai mis là, je l'ai mis là. Ah non, mais c'est normal, t'inquiète. Laisse-le looter, c'était pour ma soupe. D'accord. Ouf. Coup de panique. T'inquiète. Bon, un peu trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Hop. Et donc maintenant, on va tester la fameuse soupe. Et Et après, chef, moi j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Les décos, je sais. Voilà, exactement. Non, non, c'était prévu. J'y pensais encore. Juste que. Est-ce que t'as du rab, toi, pour tout? On est ok? Ouais, toi, t'as le petit saladier et tout. Il moi, j'ai du rab. Un oignon, un piment rouge que je vais aller chercher de ce pas. Mais prends-en 2-3 de chaque hein, si t'as besoin. Tu as raison. Franchement, ça coûte rien, c'est pas le problème, tu vois. Vaut mieux que t'en aies un peu d'avance. C'est vrai que ça, c'est pas le plus cher. Ok, et moi, faut que je regarde donc. La soupe. La soupe. Ah ah ah. Ouais, non, tu passes pas au bon magasin de toute façon, donc je vais. Bah, je peux y aller, y'a pas de problème. Hein. Non, 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 mais t'inquiète. C'est trop petit. Je vais acheter une marmite. Allez hop. Je vais acheter une marmite. Oula, alors attends, du citron et tout, il nous faut là. Ok, ok. Oula, ça rigole plus. Bouillon de poulet. Ok, non, mais alors, doucement, doucement. Nouvelle chose. Donc, je vais regarder directement sur le menu, ce sera plus simple exactement ce qu'il me faut. Donc, il y a de plus en plus de monde, chef, hein, devant chez nous. Tant mieux. Je pense que ça y est, la pub que j'ai fait sur les réseaux sociaux pour dire que ce soir il y avait soirée Saint-Valentin au père. Alors, il me faut 2 poitrines de poulet, citron et bouillon de poulet. En fait, faut que j'aille partout acheter les trucs. C'est super bon le blague que tu vas faire là. Moi, c'est une soupe poulet, mais il faut que j'aille partout. Donc il me faut, j'ai dit, j'ai oublié, poitrine de poulet, ça. Je me souviens plus, chef. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est affolant. Pareil. Il faut que t'épingles, hein. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est épinglé, mais à gauche, c'est pas marqué, là. Mais en fait, j'ai un bug, surtout. Ah, mais non, mais je suis déjà en bas, je pouvais pas des... Ah oui, c'est pour ça que je pouvais... Ok, ok. Oui, bah là, du coup, c'est marqué. 2. 6. 6, déjà, ce sera pas mal, je pense, d'avance. Donc la poitrine de poulet, on est bon, le citron... Et le bouillon après. Waouh. Ah oui, côté viande, on a plus trop d'espace. Hein. Il nous faut un autre. Ouais. Waouh. Attends, je vais faire ça comme ça. On peut peut-être agencer différemment aussi le lait, tu vois. Il y a tout en bas, faut savoir que c'est un slot qui peut être utilisé tout en bas, chef. Moi, généralement, je mets tout ce qui est. Voilà, ça. Ok. Tu vois, comme ça. Ok, ok. C'est des trucs faciles à attraper, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais te mettre de la viande ou quoi? Ok, donc je vais aller chercher le citron et le bouillon. Il faut vraiment que j'aille partout. Alors, citron... Il est où le citron? Là. Allez, on va en prendre 6. Je sais que le ratio est pas bon, puisque j'aurais dû en prendre 12 pour les 6 que j'ai là-bas, mais bon. L'inverse, j'aurais pu prendre 12 de viande pour 6 citrons, mais bon. Pas trop grave. Donc là, on n'est pas trop mal. C'est dangereux ce que je fais. Hein. Je mets les citrons à côté des pommes de terre. Chef, la marmite, je la mets là. Je vous montre. Hop. Ok, mais j'en ai besoin de suite en fait, donc laisse-la dehors. D'accord, je la sors. Donc, sur un malentendu, je confonds un citron et une pomme de terre pendant le rush. Non, mais là, normalement, tu vas pas les confondre, t'as vu comment c'est vivace. On ne sait jamais, ça se ressemble un peu sur un coup d'œil rapide. On a beaucoup trop de persil, hein. Purée. Hein. Non, mais t'inquiète, il y en a besoin pour nos 2 recettes, tranquille. Et là, attends, bah, déjà, c'est où que je vais avoir mon bouillon là? C'est là ou pas du tout? Attends. En vrai, je sais pas où je l'achète, le bouillon de... C'est où qu'on achète le bouillon de poulet? Ah, c'était peut-être au... Le bouillon de poulet, normalement... C'était peut-être à l'autre, en fait. Tac, je vérifie quand même. Bouteille de lait... Bah, ah, le ça, bouillon de quoi? Poulet, c'est dans le magasin classique, hein. Ah non, c'est bien là, ouais, ouais. Je le voyais pas sous cette forme-là, en fait. Bouillon de poulet. Hop. Ok. Bah, c'est une boîte, je me rends pas compte, là. Il faut que je prenne un... Bon, avec que tu passes la souris dessus pour voir en quantité ce qu'il y a, est-ce que c'est genre
Bah, je vais en prendre 3 de ça. Ouais, non, justement, c'est pas sous cette forme-là, tu vois. C'est pour ça que je ne sais pas. Bon, je réarrange, je réagence le frigo vite fait, chef. Et ça, je peux les mettre sur l'étagère qu'on a revendu. Qu'on a revendu, super. Bah, je vais les mettre là en attendant. Ça fait vraiment très propre. On a 0,15 dedans et c'est 0,15 qu'il faut que j'utilise, donc en vrai j'aurais pu en prendre un peu plus. Hein. Je peux... En fait ça équivaut à tranche 1, donc c'est du 1. Effectivement j'aurais pu en prendre 6. C'est un petit peu cher quand même ça, ça intéresse de bien partir, hein, moi je te le dis. Allez, on va faire la petite prépa de soupe. Celle-là, c'est pareil, elle sera prête d'avance. Comme ça, bah, la marmite, je pense qu'on va la laisser de côté, celle-ci. Et puis, quand il faut, on switchera, de toute façon. Ça ouais. Peut pas périmer pendant la journée, a priori. Donc, je peux le laisser dehors. Je crois que c'est pas un souci. Donc, allons-y, c'est parti. Alors, il me faut des tranches de poitrine de poulet. Il y a rien à assaisonner, du coup. Il y a rien à assaisonner, ouais, d'ailleurs. Moi, j'ai rien à assaisonner dans mes recettes. Ok, bah ça me va. Donc... Il me faut des tranches de poitrine de poulet, on a dit. Je vais peut-être en préparer un petit peu d'avance aussi. Oh, trop mignon. Voilà. Chicken stock. Bah après, ça, tu pourras mettre dans les tiroirs. Ouais, on peut mettre dans les tiroirs, mais c'est vrai que sur l'étagère, je trouve ça pas mal aussi. Ça s'appelle un plan de travail, chef, et vous êtes en train de nous foutre en l'air. Non, non, je parle bien de l'étagère qu'on a revendue, où je l'ai pas encore mis dessus parce qu'on en a plus, mais je voulais dire sur cette étagère. Ah oui, d'accord, parce que là, oui, bah du coup, là, sur le plan de travail, oui. Oui, oui, bah après. Attends, attends, j'ai un doute sur un truc là. Tranche poitrine de poulet x2. Si, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. C'est quelle soupe que tu fais, la soupe au poulet? Ouais, ouais, brochette de poulet x8, c'est bon, non, non, y'a pas de soucis. Oui, 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 la soupe de poulet. En fait, faut tout trancher là. Bah dis-moi si tu veux que je te tranche des trucs. Je veux bien que tu m'amènes où les deux autres. Poitrine de poulet qui sont en haut là. Ok. Ça, je fais mes petites tranches déjà d'avance. Tac. Tu les coupes ? Ouais, je veux bien. Ensuite, faut trancher les petits citrons aussi. Bah écoute, pareil. Hein. Je te mets les citrons si tu veux les trancher. Allez. Ça, je lis la suite en même temps. Oui, c'est une soupe de toute façon, j'allais te dire. Il n'y a pas besoin de les. Ah, c'est une soupe. Je vais les embrocher. C'est une soupe. La vache, tout ça ? Ouais, t'inquiète. Non, mais y'a pas besoin d'attendre, c'est juste. Pré-coupe en fait. Ouais, non, mais c'est ouais, juste pour plus tard en fait. Ok. Bah, du coup, ça y est, je vais remplir d'eau, donc c'est comme d'habitude, c'est. On est sur du 1,2. Quoi ce bruit? C'est le feu qui s'est éteint. Le feu du grill. Oh là là. Je sais pas si c'est pile poil ou si en vrai on s'en fout si on a à peu près, mais bon. On s'en fout, chef. Non. C'est la Saint-Valentin, c'est gourmand, hein. C'est gourmand. Alors là, on est bon. Les brochettes, du coup, donc 8. Donc hop, je mets un comme ça. J'avoue qu'en vrai, j'ai un peu abusé parce que c'est de la soupe. La soupe, j'en ai juste une prépa, j'en ai pour toute la journée. Donc. Oui, plus que la journée. En vrai, j'avoue que j'ai abusé de ouf. En fait. Ou comment ça se passe? Je sais pas, genre. T'inquiète. T'inquiète, au moins, c'est propre. Donc ça, on est bon, et le petit bouillon, et puis on est bon en fait, hein, c'est facile à faire, hein. Les soupes c'est vraiment agréable pour vous. Oh le petit bruit. Les soupes vraiment c'est tranquille, bah on va être bon, hein. On a tout mis de toute façon le reste, donc let's go, hein. Ça va être parfait. Ça va être parfait, est-ce que, bah d'ailleurs tu t'as même pas commencé la déco toi, tu m'étonnes. Quoi? La déco. Mais je savais pas moi. Je pensais qu'on attendait ce service, ah bah vas-y hein. On commence un peu si tu veux, ou alors est-ce que tu veux qu'on rajoute une ou deux tables quand même? Oui, si tu veux. Ce qui n'empêche pas de faire la déco après derrière. Quoique, il y a des tables spéciales Saint-Valentin ou pas? Ah, attends, j'ai pas vérifié combien il fallait que je mette. C'est pareil que l'autre ou pas? Oui, c'est 0,20. Hein. Oui, il y a des tables spéciales Saint-Valentin à 700 balles, chef. Ouf, oh là là. Ah bah tiens, ça m'a fait perdre mes moyens là. J'ai mis. Oh, j'ai fait tomber le truc. J'ai renversé la soupe entière. Ah, j'ai. Fou. J'en ai perdu mes moyens là, j'ai tout lancé. Hein. Bon, on est pas mal. Alors... bah après, on peut faire une ou deux tables spéciales, tu vois, sans toutes les faire non plus. Hein, et, Très bien, chef. De toute façon, c'est toi qui gères la déco. Ah oui, c'est pas bête de mettre ça sur les tables. Sur des petites pétales de rose. Où on n'a pas les moyens de changer les tables entières. Exactement. Ah, c'est tellement pas bête.
Ah, c'est mignon. C'est pour décorer un peu, chef. Non, non, mais c'est pas bête. Mais si tu veux faire juste une table, c'est spécial, tu vois. Ah, très bien. Alors, attends, juste... Je m'en occupe, chef. Donc là, il faudrait juste qu'ils nous prennent 8 soupes. Bon, je pense que ça va pas être fait de suite. Et les assiettes, pareil, il faudrait qu'ils nous en prennent 6 de plus. Ça va être tendu hein, pour la fin de vidéo, mais j'aimerais beaucoup faire des petits cookies, là. Des petits gâteaux, là. Oh, trop mignon. On est sur une table spéciale Saint-Valentin. C'est mignon, hein. J'aime beaucoup. C'est sympa, hein. Après, c'est pareil, il y avait des décos... Alors, attends, c'est où? Est-ce qu'il y avait des décos normales aussi J'avais pas trop voilà. Regardé. Après, là, ça, on c'est vraiment aller voir la table tard. Spéciale. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, t'as des décos un peu... Alors ça, c'est pas les plus folles. Ça, t'as le fameux porte-manteau, les trucs comme ça, tu sais, qu'on peut mettre aussi. Ça coûte pas si cher, d'ailleurs, le porte-manteau. Une horloge pour meubler un peu. Et puis t'as tout ce qui est... T'as tout ce qui est lampe aussi, hein. C'est vrai que les lampes, on n'y pense pas assez, mais ça peut... Ça va être quand même assez agréable. Ça apporte quelque chose. Mais pour l'instant, ça coûte cher, donc j'avoue, on va quand même se focus sur le spécial Saint-Valentin déjà. Ah, moi je me suis focus sur le spécial Saint-Valentin, chef. Attends, c'est trop stylé. Ah, c'est stylé de ouf. Joyeux Saint-Valentin, chef. Oh. Ça a coûté seulement 2000 euros. Ah. Et la table, du coup, t'as sorti une table ou pas? Oh, les petites fleurs. Alors, je n'ai pas sorti la table spéciale Saint-Valentin, je voulais savoir si vous vouliez que je sorte la table spéciale Saint-Valentin. Bah ouais, ce que je te disais avant, justement, ça pourrait être bien, parce que là, j'en avais enlevé une, donc ça fait un petit trou ici. Ou là-bas, si tu, là où tu la sens, de toute façon, mais... En tout cas, il y a un peu de vide pour le moment. Et c'est vrai qu'on va assez loin, en plus, pour l'instant, pour les tables, puisque... Ah oui, non, mais elle est belle, en plus. Ouais, elle est mignonne. Il y a plusieurs coloris. Il y a couleur rose, violet, beige et rouge. Moi, j'avoue que rouge, c'est bien. Rouge, oui, c'est très bien. D'accord. Et puis ça contraste un peu, enfin ça rappelle plutôt justement les petites pétales et tout ailleurs, c'est pas mal hein. Mignonnet. Je vais hop, j'envoie ça. Alors là, chef, si c'est pas cosy ce qui va se passer dans quelques instants. J'ai regardé mais attention. Je vous le dis, c'est un grand moment. C'est kitsch mais c'est un grand moment. C'est quoi, c'est pas des bougies? Ah si, c'est des bougies, ouais. Si. C'est juste que je l'avais pas du bon côté au début. À tout moment, il s'engueule et il y a le feu. Mais ça va bien se passer, hein. J'espère regardez, surtout regardez. Que... Mais surtout, on dit « il », mais on sait qu'ils vont être seuls à chaque fois pour manger. Par contre, attends, il y a juste un truc qui me fait peur. Hein. Ouais. C'est mignonné, mais est-ce qu'il peut pas placer son assiette après pour manger? T'as raison, j'enlève l'enveloppe. Chef, elle sera pour vous, cette enveloppe. Avec de l'argent dedans. Vous avez moi, tout tu sais que je... Moi, tu sais que je fonctionne bien. À l'argent. Ah, mais j'avoue, là, il y a la petite lampe de plafond en mode cœur. T'as vu ? Oh, ouais. Oh, au-dessus de la table, genre au-dessus de la table double, là, la petite lampe cœur. Mais c'est bizarre, regarde, la lettre, elle est debout. C'est trop chelou de mettre une lettre debout. Genre, normalement, ce serait à peu près par là, si je suis les lampes en haut. Voyons voir. T'en penses quoi ? Oh, pas mal. Est-ce que c'est une bonne initiative ? J'aime bien. Mais bon, attends, si j'ai... J'en ai pris une, c'est intérêt d'être bien. Elle est bien. Par contre, le plafond, ça me perturbe que dans le jeu, tu ne puisses pas le changer. Mais t'es sûr qu'on peut pas le changer? Ah bah regarde. Ou genre même ça plus tard. Ou alors. Ça se trouve peut-être que si tu regardes en haut. Attends, et si tu mets du sol au plafond? Genre, il y a peut-être des sols qui sont faits exprès. Non, pas du tout. Ah, tu crois? Non, non. Mais par contre, peut-être c'est juste quand on aura. Bah tu sais, l'autre. Tiens, d'ailleurs, je vais le montrer quand même vite fait. Quand on aura l'autre resto, peut-être que juste il y aura un plafond plus sympa et puis c'est tout ce qu'on pourra avoir, tu vois. C'est possible. En gros, c'est celui-là qui est à vendre. Vous voyez, il y a 50 000 marqués. Il y a la petite terrasse ici, enfin petite, franchement monstrueuse même. Ouais. Par contre, je pense que quand t'as ça, t'as intérêt d'avoir plusieurs employés pour que... Même t'as un employé qui fait que le service, puis enfin s'il pouvait gérer que l'extérieur, ce serait bien quoi, parce que tout ce qu'il y a à faire. On a 200 mètres carrés d'intérieur, 120 mètres carrés de jardin, mais du coup on peut vraiment l'utiliser hein, normalement pour les tables et tout. On le voit dans l'image du trailer ça. Donc on peut pas visiter pour l'instant, mais ouais, on pourra l'acheter quoi. Ah, je peux plus fermer. Bon voilà. Mais ouais, on est pas mal. Comme après... ça, en attendant, je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, et ce soir, on verra si on peut mettre genre les murs. Après, je sais pas si tu veux changer les murs de papier peint. Les murs de Saint-Valentin sont très moches. Hein. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément les plus beaux. Et après. Par contre, il y a les briques rouges qui sont désormais disponibles. Oh. Oh, hey, les briques rouges pour la Saint-Valentin, ça fait trop beau. Ah ouais, vas-y, dis-moi. Enfin, montre si tu veux. Voilà, on n'a plus assez d'argent, chef.
Ouais. C'est pas mal. Alors c'est pas mal, mais par contre, je trouve que le Valentine's Day, eh bah du coup, il ressort moins sur ce Ton mur. sur ton. Ouais, c'est ton sur ton, c'est ça. Genre le mur en lui-même, c'est pas bête avec de la déco dessus, mais par contre, le Valentine's Day, du coup, sur ce mur, je trouve qu'il ressort moins. On peut le mettre ici, hein, chef, hein. Ouais, si tu veux. Attends, bah, je bouge le truc du coup. On le met où Allez, c'est lui? parti. Est-ce que je le mets lui? Je le mets là lui? Ou alors... Ouais non, parce que l'autre côté, il y a les... Faut pousser le... Voilà. Vas-y, déjà, je te pousse ça. Oui, eux, c'est vraiment On la est au table courant que c'est la spéciale VIP, Saint-Valentin. quoi. Je t'ai pas très centré, chef. Ça Je me fait énorme replace. ici. Ok. Mais j'arrive même plus à replacer tout court. Voyons voir en spécial, Mince. on avait quoi? Ouais, non, si après. Bah, ce soir, moi, j'aimerais beaucoup qu'on mette le truc à 3000 parce que je me dis que c'est un truc automatique de boisson amoureuse. Je me dis, ça peut. Sur un malentendu, ça peut peut-être nous rapporter de la thune aussi, tu vois. Ouais. Ah, et le Mais ça love, se il est trouve, c'est que mignon pour nous, aussi. hein. Hein? Ça se trouve, c'est que pour nous, hein, le truc de boisson. Hein. Bah, non, parce que je crois qu'il y avait un truc là, des images qui montraient que c'était les gens qui allaient les prendre. Il me Ah. semble. Bon, c'est pas mal déjà. Ah, mais attends, mais on avait des stands déjà de base, c'est quoi? Salon de thé. Un moyen rapide d'obtenir du thé pour ceux qui ne peuvent pas se passer de thé. Il fournit un revenu passif. Donc c'est sûr que le spécial, là, c'est du revenu passif aussi. Moi, j'aime le passif. J'aime ne rien Bien brander et sûr, avoir moi de la j'en ai rien thune. à foutre, mais alors le passif. J'aime le passif. Ah, mais attends, mais il y a ça aussi, il y a des machines d'attrape-jouets et tout. Bon, ça, ouais. Peut-être pas trop à faire dans un resto si tu veux faire un truc un peu classe, mais franchement, un distributeur de boissons, tout ça, pour du passif. Après, Rappelons-le, le passif, hein. le passif, c'est la vie. Très important. Le passif, c'est la vie. Bah, dans ce stand, en tout cas, sache qu'il y a des trucs comme ça qui seront intéressants Mais plus tard. attendez, chef, Mais on a débloqué une plaque le cul. pour aujourd'hui, on fera celui de Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Bah, on a une bête de plaque de cuisson maintenant, j'avais même pas fait gaffe. Ah bon? On a notre petite plaque de cuisson un slot et maintenant on en a une 4 à 3000 balles seulement. Alors attends, c'était dans station, j'imagine. C'est où que tu le Ouais, vois? station, Là, troisième onglet. troisième. Ah ouais. Ah oui, c'est une vraie T'as plaque, vu? quoi. Et du coup, Et vu le que j'ai four deux à le grill à marmites, droite, t'as vu? vu que j'ai deux marmites, tu vois, ça peut être cool pour plus gérer. Et en plus, vu qu'on peut réchauffer même les assiettes et tout dessus, on se triche un peu, ben c'est Et pas on a un mal. nouveau grill, hein, aussi. Ah oui, exact. Bon, 4000 quand même. Hein. Par contre, Dans ouais. extérieur, on a une nou nouvelle devanture aussi. Mais bon, on verra, parce que si on se Ouais. casse par la Ok, suite. il est vraiment bien plus large en plus le grill, hein, mais bon. Après, le grill, honnêtement, on le laissera pas là à ce moment-là. On fera Ouais. un truc. Tout ce qui est viande, tu vois, derrière, à la limite, tu vois, on décale les frigos, je pense. Et on met le grill, tu vois, derrière, peut-être, je sais pas. Ouais, On ouais. verra. Mais en tout cas, vu que ce sera plus large, on pourra pas tout laisser ici, je pense que ça va pas. Bon, bah on va lancer la journée, quand même, parce qu'on Ouais, avait allez, mis c'est tous les parti, on plats. envoie, chef, hein. On s'est un peu sorti du J'ouvre. truc. Ouais, vas-y. Allez. Et puis, faut se faire de la Bienvenue chez thune. Binôme! On veut au moins 3000 pour revendre les trucs en passif, Et si ça repeins le marche. mur quand même, hein, parce que Et aussi un peu plus pour personne ne se repeindre rend le compte qu'il y a un mur. problème. Et aussi, ce serait bien vraiment de débloquer le truc du gourmet, parce que si on pouvait finir sur les gâteaux et tout, alors là, on aurait vraiment tout montré, ce serait cool. Mais À la j'ai fin, il n'y a plus de peur série, quoi. que... On aura tout montré, c'est terminé, hein. On Tout montrer de remballe. la Saint-Valentin. Allez, on se Après, revoit à on est Noël. Oui, bien loin d'avoir sûr. tout vu sur le jeu, hein, par contre. Ok, c'est Allez. cool. En tout cas, il y a du monde Bienvenue qui chez arrive Binôme et déjà. bonne Saint-Valentin. Ah ouais, Installe-toi là. confortablement. Trop stylé. C'est incroyable là. D'ailleurs, on n'a pas testé. J'ai même pas fait attention. Est-ce que les gens s'assoient sur ta table double là? Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, genre là, Mmh. les deux là, je sais Ouais. pas. Oh, regarde, regarde. Ouais. Ah, Bah, c'est il magnifique, hein. mange tout seul, c'est dommage, Mmh. vraiment, mais bon. Bah ouais, hein. Ah Oh. oui, il est bougé. Ah oui, attends, il a un Il a nounours. décroché un cœur nounours. Mmh. Oh, Ça tu vois, ils sont côte marche. à côte. Tu vois, nous, on a créé un peu cet esprit de la Saint-Valentin. Mais tu sais qu'on va faire des couples, On hein. est en train de les réunir et tout. Par Mais contre, tu sais, tu ah crois non, c'est qu'il y bon. a eu un nounours grâce à la lampe cœur? Je sais pas, il y a eu un truc, tu penses? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, Bonne hein. Saint-Valentin, monsieur, et merci pour votre argent. Oui, merci pour l'argent, surtout on a besoin de thunes pour faire des meilleurs Saint-Valentin. Meilleure déco. On Pourquoi y a en plus est où? personne Hey, là? ton assiette simple là, elle part super bien, hein. Encore une et ça dégage. Ouais, et ce qui veut dire que encore 3 et il manquera plus que la soupe pour débloquer le gourmet. Par contre, la soupe, ouais, c'est pas celle qui part le mieux pour l'instant. Après, en même temps, on a tellement de menus. Mais normalement, on est censé avoir du coup plus de gens qui viennent aussi, donc Il est vrai.
Il y a un petit peu de calme, je vais en profiter pour faire la plonge. Non, plutôt ton assiette simple de donneur parce qu'elle vient de partir. Elle est partie ? Ouais. Ok, ça marche. Alors, je ressors une assiette comme ça. Mais brochette, personne n'en veut. C'est quoi ce délire ? Personne l'a goûté ? Hop. D'habitude, c'est... Non, mais attends, mais là, tout le monde focus ta soupe et le truc d'honneur. Hein. Mais tant mieux, c'est trop bien. Ah non, mais bien sûr, mais mes brochettes, mes bonnes petites brochettes, là. Est-ce que j'aurais pu tricher pour l'assiette ? Je mets la viande dedans, je remets tout dedans, et ensuite, je le mets un petit coup sur le... Sur le réchaud, tu sais, pour... Pour mettre un petit coup de chaud à la fin. Ça, ça aurait pu marcher. Ok, il y a quelqu'un qui vient. Il y a encore quelqu'un c'est qui vient. C'est mon assiette. Incroyable. Bon. Hein. La soupe. Non, mais c'est fou. Il y a du succès. Est-ce que t'as quelque chose à faire ou tu peux m'aider ? Je peux t'aider, dis-moi. Bah, je veux bien que tu coupes, le, tu sais, comme d'hab, les pommes de terre et tomates juste. Attends, c'est tomate l'autre ? Ouais, c'est la tomate. Ouais, c'est la tomate, c'est la tomate. Tac. C'est un peu technique. Ok, je les place dedans après si tu veux. Je crois que j'arrive pas à le prendre. Ouais. Bon. Merci, parfait. Hop. Super. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde attend là. Ah, mais c'est ton assiette, ok, autant pour moi. Voilà, ils sont tous contents. Oh là là, la mais. Soupe qui part. Coupes, la soupe là, qui part, hein. La soupe, je vais la remettre. Hein. Celle-ci. Il me faut un petit bol. C'est parfait ça, je suis content. Je suis content parce que là, on arrive aux objectifs. Il manque 4 soupes. Moi, j'aimerais beaucoup que ça parte. C'est parti, c'est bon, de toute façon je peux la mettre. Je peux la plonger. Perfect. C'est bon ce qu'on voulait. Ça on le met. On est pas mal hein. Oh mince, ça c'est chiant, on va rentrer. On est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh rien, enfin j'ai fait tomber les boîtes, les bouteilles du bouillon là. Bah attends, mais c'est un succès fou le soupe, je suis choqué. Tu sais que là on est vraiment trop bien hein. Mais c'est là franchement bien. Aujourd'hui tout se passe au mieux. Ça envoie. Au moment, on a plus d'assiette. Tu veux la nettoyer soupe... Non non, c'est parce que la... non non mais plus à nettoyer je veux dire. T'inquiète. Ah, je me parle, je suis pas. On va fermer cette salle de bain là qui nous sert pas. Voilà. Je suis pas clair quand je me parle à moi. ça faut que je paierai ce soir. Bon mec, je voulais voir. 5. Allez, s'il vous plaît, 3 personnes pour ma soupe. Ouais, ça va être la nuit, je pense que c'est mort, mais j'aimerais beaucoup sur un malentendu. Au fond, on refait une dernière journée sinon pour finir la soupe. Comme ça, on aura des cookies. Et vraiment, on aura tout fait, ce sera cool. Hop, c'est bon. Je vais nettoyer un peu. Vas-y, vas-y. Ok, ça là, va, il y a un plat qui est parti, je sais pas lequel c'est. Bah, c'est ton assiette simple de donneur encore. Hein. Ah, chiant, j'ai pas envie d'en refaire là. Ah, vas-y, bah, relou, oh, elle en veut. Non, mais non, mais laisse. Je laisse ? C'est du gaspillage. Bah, je pense. La fin de la journée. Je pense aussi. Mais vous mangez autre chose, mesdames et messieurs. Non, mais à attendez. Deux, hein, deux qui en veulent. T'es sûr, je remets pas. Vas-y, je remets. Si t'as le temps de le faire, mais sinon, laisse tomber. Hein. Bah, j'aurais besoin de ton aide, comme d'hab. Juste. Ok, ok, vas-y, vas-y. Dès que c'est fini, là, j'ai mis à chauffer, tu sais. Ah non, c'est bon. Vache. Est-ce qu'on va dans les temps ? Si tu veux qu'on fasse une amélioration, on peut pas faire une amélioration sur ça, sur les gens, l'attente ? Que genre, que ce soit le plus. Oh là là, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je sais pas si on aura le temps, du coup. La viande, y en avait plus. Et merde. J'avais pas vu. Oh, c'est pas grave, fais ce qu'il faut faire et je fais mon mieux. Au pire, ils ont les patates, ils se démerdent. Ils auront de la viande crue au pire. Oui. C'est pas dangereux. Mais vas-y, chauffe la viande s'il te plaît. S'il te plaît, tant pis, il y aura un morceau cru. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est nul. Comment j'ai cru ? Je te mets dans ton assiette. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon, ça part. Ich. Tout le monde se barre, hein. Oh là là, elle est nulle. Oh, mais en fait, ils sont quand même restés. Ah, ils l'ont pris, hein. Parce qu'il y en a deux qui sont partis. Ah, il y en a, ouais. C'est pas grave, dis-toi que c'est sûr. En vrai, je pense qu'on a fait plus d'argent en revendant les assiettes que si on l'avait pas fait, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est rentable, quoi. Parce que les. Tu sais, les ingrédients, c'est pas ce qui coûte si cher que ça, en vrai. Ouais. En théorie. Hop, allez, on est pas mal. Hop, argent. Qu'est-ce qu'il y a comme assiette, purée ? Y'a pas un lave-vaisselle dans le jeu après ? Ce serait pas mal, effectivement.
Au niveau de la soupe, j'ai l'impression que c'est quand même pas si mal parti. Il nous en manque plus que deux. Hein. Donc je pense une dernière journée et niveau soupe, on est bon. On pourra peut-être tenter vite fait les gâteaux pour la fin en express. Les fameux gâteaux. En express, en express. Bon, vas-y. Est-ce que je peux peindre le mur, chef? Vas-y. Finir de le peindre au moins. Merci beaucoup. Attends. Achète d'abord le distributeur, s'il te plaît. Ah pardon, excusez-moi. Les priorités avant. L'argent alors, avant tout. Distributeur, lequel? Le grand là, le gigantesque? Je vais le faire au pire. Distributeur de boissons amoureuses, je l'ai. Oui. Ah bah, il faut le mettre là. Alors lui, il est vraiment gigantesque. Hésiter, okay. Il est très grand, chef. De toute façon, mais le vers l'entrée, ouais, je pense, non? Ouais. Que les gens le voient, c'est du marketing là. Ils bah, arrivent, attends, ils voient ça. Fois zéro, donc faut le remplir nous-mêmes ou comment ça se passe? Bon, je le pose, tu vas voir. Je sais pas. Ah, il y a marqué 10 fois, mais on dirait il est à l'envers. Attends, il a l'air à. Bah non, pour moi, le trou, c'est le. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est le x10 qui a l'air à l'envers en fait. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que le truc a l'air bon. Ah, je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon, on est bon. On va faire de la thune, ce machin. Je pense. Alors, je dis pas que ça va être fou, mais je pense que ça va nous en faire. Ok. Je nous fais vite fait juste la brique. Ah, on est à 14 sur 12, on est vraiment fort, nous, niveau assiettes. Ok. Du voilà, coup, c'est bon, c'est fait. En vrai, moi j'ai déjà deux mélanges. Hein. Les soupes de demain, c'est fait, moi c'est prêt, donc j'aurai rien à faire. Ben moi pareil, hein, tout est prêt pour demain. Donc là en fait, c'est du on va renvoyer à instant, je pense. Bon bah lui, par contre, un peu chiant. Vas-y, je paye vite fait, tac, tac. Et puis c'est bon, je passe la journée, on y va, allez, on enchaîne. Vas-y. Allez, on est trop chaud. Faire pas de temps. Nouveau jour. Ah ouais, on a envoyé. Nouvelle recette. Ah attends, c'est quoi cette recette d'ailleurs? Je veux dire, on s'en fout, mais elle m'intrigue. Quoi? Ah, c'est des brochettes d'aubergine. On verra plus tard. Hein. Je vais même le laisser comme ça et pas le débloquer. Comme ça, on s'en souviendra. Tu sais, qu'on a laissé ça de côté, quoi, la prochaine fois. Ouais. Ouais. Pourquoi il y a un. Ah non, c'est un bug. Oh, c'est beau comme ça, les petits cœurs. Ça donne envie d'en mettre plein la vitrine. Mais j'avoue que de l'extérieur. C'est sympa, hein? Franchement, c'est mignonné, hein. Au moins, c'est bien, mignonné. On fait la Saint-Valentin. Ouais, par contre, ça veut dire que... Une boîte, un bocal d'amour. Ah non, mais je pense pas que ça donne quoi que ce soit, ça. Tu sais que ça veut dire qu'on se ruine pour la Saint-Valentin. Ouais. Alors qu'on va le garder, genre, pour une vidéo, quoi. Une vidéo, pardon? Bon, peut-être deux vidéos minimum, hein. C'est mes conditions. Peut-être un peu plus, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as compris l'idée. Oh bah, oui. Écoute, je vais faire partir les... Je fais les brochettes. Vas-y, on refait la même chose pour pas non plus, voilà, donc soupe, soupe pour moi c'est important, assiette c'est important mais un peu moins maintenant, brochette de poulet toi je te mets, soupe, j'ai toujours un doute sur le dernier, c'est quoi le cinquième que j'ai oublié, le kebab simple toi. Effectivement. Okay, on est bon, donc tac tac, moi je vais remettre aussi un petit coup sur la viande là. Là, je prends la petite assiette ici. Ah, mais j'ai plus de prépa, moi. Il me faut des brochettes. Ok, il faut que je refasse des petites brochettes. On va déjà mettre elle. Hop là, on est bon. Il me reste combien de la prépa? C'est bon, large. Alors, attention de pas se planter. C'est quoi? C'est la soupe au poulet, là. Ouais. Hop. Se trompe pas dans ce qu'on met. Ça on met là et du coup faut que je prépare quelques brochettes. Alors pommes de terre, tomates, piment. Tomates, faudra peut-être en racheter. Hein. Ok. T'en as besoin toi aussi. Là je suis en train de tout. Là j'en ai pas besoin. Ouais, faudra quand même en racheter après. Suffira pour ce service si t'en as plus besoin, mais. J'en ai pas l'utilité pour ce service. Hop. Hop. Ok, 100% c'est magnifique ce qui vient de se passer. Ok, est-ce que je pourrais te demander ton aide comme d'hab ou tu es sur ton truc? Je suis sur mon autre plat mais il est pas lancé en cuisson donc je peux m'occuper du tien. Vas-y, je reste sur le tien. Ouais, parce que... Oh non, c'est pas allumé ça. Oh non, j'ai déconné encore. Attends mais... Ah ouais non mais... Si c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Problème. J'allais dire j'enlève les cuissons si non, jamais. Ouais c'est vrai. J'enlève ou pas? Non c'est bon, tout va bien. Ok. Ok, toi ça va être prêt donc... Hop, 1, 2, 3, 4, et le cinquième.
1, 2, 3, 4, 5. Je te mets l'assiette de ton côté. Tiens. Ok. Tac. C'est bon. Et on envoie. C'est où? C'est là-bas. Celle-ci. Allez, on coupe tes brochettes et on est ok. Ok. On va pouvoir ouvrir après, même si c'est bientôt terminé. Bah là, je viens de lancer tout. Ouais. Non, parce que j'allais dire, je peux ouvrir pendant ce temps-là, peut-être même. Oui, si tu veux, vas-y, 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 comme ça on gagne. Tu seras ok, toi, dans les temps, hein, c'est bon. Oui, allez. Bah je pense que c'est en train de cuire de toute façon, donc. Ouais, c'est pour. Histoire d'avancer un peu. Bonjour et bonne Saint-Valentin! N'hésite pas à regarder là où il y a les cadeaux hein, pour voir s'ils vont prendre des trucs. Ouais, t'inquiète, moi je regarde. Focus, focus, hein. J'ai intérêt d'en prendre. Hein. J'ai trop peur que personne n'en prenne par contre. Bah, ils ont pas intérêt parce que je peux te dire que ça va très vite dégénérer. On a mis quoi? On a mis hier soir ça en plus. Normalement, ça devrait être actualisé quoi. Ah, par contre, la soupe. Waouh! What? Tout le monde prend de la soupe, mais pas la bonne. J'aimerais bien qu'ils prennent l'autre pour le gourmet quoi. Ce qui manque, il en faut juste deux quoi. C'est fou, okay. Comment... Ah ça y est, une soupe, donc il m'en manque... J'ai dit il en manquait deux, donc il va manquer une soupe à partir, et on va être bon. Tu sais que moi, ma soupe, je vais pouvoir déjà en remettre, hein. Allez hop, ça repart. C'est ouf. C'est incroyable. C'est fou, comment ça part. Allez, le persil. Personne en veut pour le moment. Est-ce que du coup, je la sors ou pas, vraiment? Bon, je peux la sortir quand même, parce que... Ouais, y'a un truc qui est parti, non, c'est bon. Allez, on va quand même la... Alors, on en est où? La mettre. C'est ta soupe qui est partie, là? Ouais, elle est partie, c'est un truc de fou. Mais c'est pas la bonne, quoi, c'est chiant. Allez, ça, c'est let's go. Wow. Allez, y'a personne qui... Ah! Distributeur! Elle a pris un cadeau! Ah, mais on est en x7, hein, ils en ont pris plusieurs. Mais du coup, j'ai pas vu, ça nous a fait de la thune ou pas? Oh mince, j'ai pas regardé si ça nous fait de l'argent. Je pense j'ai que oui. J'ai pas vu hein. Non plus. Attends, je... En vrai, au pire, j'ai les rushs. Je regarderai la vidéo, je saurai, mais... enfin, si on le voit. Tu mais, veux analyser J'ai envie de savoir quand même, ce serait cool comme info. Après, c'est précisé sur les autres distributeurs, au pire des cas, mais bon. Ok, les assiettes de kebab, ça commence à partir. Il y a plus d'assiettes sur les étagères. Bah ouais, mais... Ah, la soupe qui va partir, c'est parfait. Ça veut dire que demain... Demain, on peut se faire les petits gâteaux normalement. Ok, je fais du nettoyage. Et on terminera sur les gâteaux, je pense, comme ça. La journée de demain. Oh, le gourmet peut être invité. Eh ouais, comment ça j'attends votre invitation? Faut l'inviter genre maintenant. Oh, le gâteau, le truc là, ça ouais, nous a fait la thune, non? Mais j'ai pas... Si, si, le cadeau, regarde. À chaque fois, ça nous fait. Si, 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 ça fait de l'argent, c'est sûr. Mais c'est, pas... qu'il faut... c'est quoi la jauge du coup? C'est ce qui reste? Ouais, par contre, je sais pas comment on le re-remplit. C'est peut-être du auto, tous les jours t'as un stock de 10, tu vois. Parce que vraiment ça nous a fait genre 300 et quelques, je crois. Attends, et le gourmet, genre je peux l'inviter maintenant? Gros petit? Je serai là demain. Là demain. Ok, ok. Ah, mais oui, mais du coup, on va. Ah ouais, mais du coup, on a un jour de décalage pour. Ah, chiant, ouais, pour les gâteaux. Oh mince, ouais, du coup, ça va rallonger de 2 jours. Ouais, ça va commencer à être long. Faut que chef, je dois y aller après quand même. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit en vitesse tout à l'heure, et là, je suis en mode bon, je crois que les gâteaux, c'est mort. Je crois que les gâteaux déjà, c'est mort. C'est un épisode qui est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais, non mais ouais, en c'est vrai. Pas mal de petits bénéfs. En vrai, ouais, c'est cool. Après, c'est pas grave. On aura toujours des gâteaux à montrer en vidéo, même si c'est pas ceux de la Saint-Valentin. Après, on les a vus vite fait en image au moins. Oui, déjà, on a ça. Fait la déco. La déco est cool. Déjà, y a pas de soucis. Mais là, j'avoue qu'en fait, vu que tu dois y aller, là, ça ferait 2 journées de plus. Ça veut dire c'est au moins quoi, une demi-heure de jeu. Donc, c'est mort. Ça va commencer à faire long. Regarde, regarde, il achète 150. Quand il a acheté, tu vois. 150, il a pris. Regarde, regarde, 150 balles là qui viennent de partir. Mais tout à l'heure, il me semblait même chef, que. Votre dernier soupe au poulet vient de partir. Non. Attends, il y a un truc qui est parti par contre. Hein. On a perdu un truc là. La soupe au poulet, oui, mais maintenant, mais toi, il y a un truc qui est parti aussi, oh, tu l'as vu? Merde. J'avais pas vu. Ouais. Je m'en occupe, chef. Et on se fait de la thune par contre, hein, moi je te le dis. Ça rigole plus, chef. Moi, je te le dis, on se fait de la thune. Tu me dis si t'as besoin d'aide hein, pour un plat, par contre. Ça marche, c'est gentil. Hop. Mon plat arrive, mon plat arrive. Mais tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, de mon plat. Ouais, par contre, ils prennent encore de la soupe, tant mieux.
Toi, c'est bon. Oh, tout est bon. Ah, je sais pas comment refiller. Peut-être c'est 10 par jour, hein, tout simplement. Je pense. Donc c'est 150 x 10. Mmh. Donc il y a 1500. Ce qui veut dire qu'en une journée, on a fait la moitié de ce que ça nous a coûté en argent, en gros. Donc en fait, il nous faut 2 jours pour rentabiliser. À rembourser déjà. Et au bout de, du troisième jour, on fait du bénéf, quoi. Ouais. En gros, c'est ça l'idée. Quoi ce Mais qui... qu'est-ce que j'ai oublié? Ce qui en soi est plutôt propre, hein. Ingrédients manquants. Non mais c'est pas possible. Oh mais pourquoi les assiettes elles disparaissent là au bout de moi? Mais il y a un peu... Les assiettes c'est un peu bugué je trouve. Oh oui, pas que ça qui est bugué hein, il y a des petits bugs par-ci par-là mais bon. Par contre, tu te rends compte, la journée on l'a pas commencé à zéro celle-là? Bah je crois qu'on... Non, attends, non on avait 4000 non, c'était l'autre. La ouais non c'est d'avant, pas celle-là, ouais ouais. Non mais ta soupe, regarde, y'en a plus, ça redemande. De la soupe, genre on refait? Ouais. Ok. Désolé, j'étais à la plonge depuis tout à l'heure, je m'arrête pas. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, t'inquiète. On va regarder s'il y a un pain à la vaisselle. Ils auront la soupe, tranquille. Après, franchement, on se fait de la thune. Hein. On va voir de toute façon à la fin de la journée le récap, hein, mais on se fait vraiment de la thune. C'est incroyable. Hein. Et tu sais que quand on aura en plus les gâteaux... Ah, il est à zéro le truc. L'avantage des gâteaux, c'est que c'est pareil, c'est un truc où il y aura pas grand-chose à faire. Tu sais, tu sors les gâteaux, tu peux les faire d'avance et tout, donc... Ça va être incroyable. Ce sera de la prépa avant de lancer, mais pareil, ce sera un truc de plus à vendre sans problème, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un truc qui est parti, c'est ton kebab simple et quelqu'un me demande. Oh mince, mince, mince. Ok, bah ça part en cuisson. Hein. Tu me dis si t'as besoin d'aide pour que t'ailles plus vite. Tu me drives s'il y a besoin. Apparemment, j'avais déjà pré-cuit le bordel. Mince. Ouais, m'a fait peur quand je suis retourné. J'ai eu cette tête en face de moi là. Oh là là. Ok, je l'enlève vite fait parce qu'apparemment ça avait déjà été pré-cuit. Bah tant mieux, au moins c'est mis d'avance. Ouais, mais j'avais mis donc j'enlève vite fait. J'arrive madame, ça arrive, patientez 2 minutes. Pourquoi il y a un bol à mélanger là-dedans là? Or, tu peux te préparer à couper l'ail s'il te plaît, mettre dans l'assiette le piment vert aussi? Ouais, ouais. Prépare-toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que... Ouais, le saladier, là, le bol à mélanger, je sais pas où on le met après, par contre. Au niveau 40... Bon, je le mets là, sur le hachoir. Sous le hachoir, pardon. Ok. Niveau 40... Ouais, parce qu'il était dans l'évier, en fait. Mais, Ah, mais ça y est, il a débugué. Ah, bah ouais. Je sais pas, ouais, je l'ai vu dedans, en tout cas. J'ai pu le récupérer. Ok, bon, bah c'est bon. Ok, la journée a été incroyable. La journée était incroyable. On s'en est foutu plein la panse. Du coup, on a le gourmet avec les comment ça s'appelle, les pâtisseries qui arrivent dès demain. Mais du coup, ce sera pour le prochain épisode, on a dit. Donc la dernière journée, on va juste la skip, histoire de voir les bénéfices une fois qu'on l'a passé. Et puis de toute façon, ça sauvegarde en même temps, donc on va être obligé. Mais voilà, belle journée, bel épisode. Hein, comme souvent, de toute façon, des épisodes un peu longs là-dessus. C'est sympa. Des épisodes bien complets quand même. Hein. Tu sais que la déco là par contre c'est sympa parce qu'avec ton mur en face, là ça rappelle un peu le rouge en face aussi. Là c'est bien, j'aime bien. Je mets quelque chose, je vais mettre une touche de déco, ça va vous plaire, je le sais. Ok. C'est le détail qui fait tout, chef. Ah, j'avais vu un porte-manteau en mode. C'est pas, et voilà. Pas accroché au mur, mais là celui-ci il est vraiment mignon par contre. Sympa, hein. Il est vraiment mignon. Tu sais que je trouve que ça a quand même du charme là chez nous. Hein. Mais moi j'aurais déjà envie de laisser comme ça. Tu sais que je trouve ça mignon, hein, vraiment. Hein. Je suis d'accord. Vous direz dans les commentaires de toute façon ce que vous en pensez, mais bon, allez, franchement, Saint-Valentin réussi ou pas là? Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'on a réussi le challenge de la Saint-Valentin? C'est vrai, bon. Qu'il nous reste encore des trucs hein, qu'on pourrait mettre hein, en déco. Bon, hein. Ouais, après, on va pas non plus se ruiner là-dedans, mais effectivement, s'il y a des trucs mignonnés que tu veux mettre, vas-y. Allez, je le mets. Hein. C'est bien parce que c'est la Saint-Valentin, et qui dit Saint-Valentin dit forcément une personne dans le monde qui va le faire. Et vous vous en doutez, chef. Donc, c'est parti. Voilà. Oh. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, hein. On appelle ça l'amour, apparemment. Apparemment. Apparemment, regardez. Apparemment. Et voilà. Ouf, 1000 balles, ça. C'est bon, chef, j'arrête. Non, bah, non, mais c'est beau. Je l'ai acheté chez l'antiquaire du coin, mais c'est beau. Il m'a dit qu'apparemment, c'était... pas donné quand même ce genre de choses. Hein. Alors si, attends, il faut qu'on nettoie toutes ces assiettes là aussi, j'ai oublié, avant de partir.
toutes les assiettes là, du service. On Ah, a bien failli sûr. faire la petite boulette. Et puis bon, on avait des trucs qu'on voulait acheter. Finalement, on a de l'argent. Donc peut-être qu'au prochain épisode, on se fera un petit réaménagement aussi du resto pour avoir un plus gros grill, etc. Effectivement. On verra ça. T'as Ça va pas être regardé, gaspillé, hein. t'as pas vu de la vaisselle du coup? Ah non, j'ai pas regardé. Attends, je le fais tout de suite. Oh, il y a eu doublon, chef. Ça, Oh, c'est pas bon. On a lavé en même temps. il y a eu triplon là. Oh là là, je l'ai vu passer en dessous celle-là. 13 sur 12, Ouais, est-ce que c'est c'est pas normal? Je grave. pense pas. Oh, bon, on était à 14 sur 12, c'est ok. Ok, je regarde tout de suite. Est-ce qu'on a de quoi laver la vaisselle? Sans logiquement, ce serait dans quoi? Station et. Alors, déjà, c'est quoi ça? Petit réfrigérateur. Donc, salon de thé, c'est ce dont tu me parlais. On Oh, mais a un chef! grill électrique? Chef, vous l'avez vu la machine à trappe jouer? Oui, je crois, oui. Et la machine à bonbons? Oui, À chewing-gum? justement. Oui, c'est dans les trucs stand, c'est ça? Effectivement. Ouais, voilà. Mais par contre, attends, ce que je viens de voir, c'est incroyable. Parce que là, plus besoin de s'embêter avec le charbon et tout pour allumer. C'est électrique. Oh non, mais ça va nous changer la vie. Pour Ah nous, les seulement factures 20 000. hors de prix, quand on va fermer et oublier d'ouvrir, mais. Pour seulement 20 000, mais bon. Ouais, mais bon, ça vaut le coup. Après, j'avoue qu'il y aura la facture d'électricité, mais en attendant, ça nous met trop bien, quoi. En plus, il est large, hein. Il est large de fou. Mais je pense, bah, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais à mon avis, on va juste pas prendre le grill normal et on a, tu sais, celui à 4 000 et on va économiser pour celui à 20 000 direct. Hein. Moi, je suis d'accord. Et on mettra aussi la plaque à 3 000 quand on pourra et voilà. Enfin, même si Moi, je là, suis totalement d'accord. on pourrait déjà, mais est-ce que c'est le plus voir, soit est-ce qu'il vaut mieux pas Après, économiser pour pour le tes grill? soupes, c'est surtout toi qui En gères vrai, les pour soupes, l'instant, donc est-ce que tu trouves. j'ai aucun problème à gérer 2 soupes avec ce que j'ai là. Bon, bah, D'ailleurs, franchement. on va les mettre là-dedans, mais il faudra peut-être refaire des prépas. Bon, on verra prochain épisode ce qu'on fait. Je vais déjà mettre ça là-dedans. Là, j'ai de quoi sortir 2 soupes. C'est trop mignonné, ouais, parce qu'il faudra racheter des stocks un peu, des stockages. Allez, ben là, on Attends, est je me bon. pose une question. Oui. Oh non, on n'a pas le droit. Hein. Le mettre sur le bord de. Deux. Bah, des plantes Ah, et tout au dehors. bord de. Ah, je Je pense pas. regarde. Allez, ben on va passer alors la journée. Et on va voir les bénéfices, on va s'arrêter là-dessus. Oh là là, c'est Fin de magnifique. journée. Ah, dette à payer, heureusement qu'on s'est pas ruiné avant. 200 pour l'électricité, 250 Nathalie. pour Nat. Et Madame voilà. Taloche. Fin de journée. D'ailleurs, avec le cadre qu'on a eu du gourmet, de notre côté de la cuisine, en mode, tu vois, Ouais, je vois regarder ce que de tu veux notre dire. côté comment on gère. Et on a quand même fait Oh là 7 300 de gains là. quotidiens. Et gains automatiques, 1 500. Bah, c'est ce que j'avais dit de toute façon. Ah ouais. Mais du coup, c'est en plus des gains quotidiens. Bah ouais. Ils sont pas ensemble. Donc ça veut dire que on s'est fait 8 800. Donc c'est ça, on s'est bien fait 9 000 en fait dans la journée. C'est propre, hein? On s'est fait une journée de malade. Donc je t'ai dit, ouais, 9 000, on s'est vraiment fait 9 000. C'est dingue. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Et là, alors attends, bah justement, c'est ça que je voulais voir. On va s'arrêter là-dessus, de toute façon, ça a save. Mais je veux juste savoir. Est-ce que. J'avoue que de loin, là, ça brille de 1 000 feux. C'est trop beau, hein. Et là, regarde, ça restock à 10. Donc en fait, comme je te dis, Chaque jour, ça. c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un super investissement. Presque, c'est le premier truc qu'on aurait dû acheter. Il est vrai. Il est vrai que c'est peut-être le truc qu'on aurait dû acheter. Ah bah après, on l'avait pas encore. Vas-y, bah. Ouais, non, ça sert à rien de le Faut pas peindre le déplacer. plafond, chef, Ah, hein, mais j'ai attends. regardé. Bah, le gourmet, il sera assis à la table où il y a le truc au-dessus, hein. Parce que c'est vrai qu'il arrive aujourd'hui, lui. C'est bon, elle est en dessous, on la voit encore. Mais il s'emmerde pas le mec, mais attends, il se prend pour qui? Moi, tu vas voir le prochain épisode. Tu sais combien ça coûte, ça? Je J'ai sais foutu plus, sur les mais. frais de société, je vais me le faire. Allez hop, fin de l'épisode. Allez, bah. Elle a tout dit, hein. Fin de l'épisode. À bientôt, les amis.